Salut à tous, c'est Arnaud. Salut à tous, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on se retrouve sur Xbox 360 avec l'un des gros jeux du mois de février. Visceral Games, ça va nous prendre au trip. Non, mais ça, c'est le développeur. Ah mince. C'est con, tout. Dead Space 3. C'est Dead Space 3, ouais. Donc là, on est dans l'espace, on va pas nous entendre hurler, hein. Non, c'est ça. Là, on se retrouve sur la version Xbox 360 qu'on a réussi à piquer à Max. Ouais, parce ouais. que là, c'est le genre de jeu qui laisse à personne. Hein. Ah non, ça. Ça, c'est le cas. Ça, il le réserve dès l'annonce. Là, il a même réservé Dead Space 4, Dead Space 5, Dead Space 6, voilà, total, tout ce qui est Space, Space Marine. Non, peut-être ça, c'est pour Virgile. Donc là, on est, donc comme je l'ai dit, sur Xbox 360, et puis on va découvrir ensemble, c'est le principe des Insert 10, donc la partie solo de ce titre, qui est quand même plutôt attendu, et surtout, il y a quand même... Ouais. Voilà, c'est ça, et puis comme on sait que, d'après les vidéos, c'est quand même très orienté action, les gens ont envie de savoir ce qu'il en est. Et puis, pendant qu'il y a l'intro, je vais en profiter, parce que j'ai décidé de prendre Jean-Marc par surprise. Allons bon. Et aujourd'hui, t'as un petit gage, mon garçon. Vas-y, fais Tu vas devoir pas le placer un mot. Vas-y. C'est le mot de Renault, donc c'est fer à cheval. Il va falloir que tu me places ça pendant l'insert. Que je place fer à cheval. Ouais, c'est assez facile. Bah, tu vas voilà, me le dire. Voilà, c'est fait. C'est l'appel du 18 juin. Ouais. 2014, c'est dommage. Roméo Alpha, W250. J'ai froid. Roméo Alpha, W250. Cyrano, vous m'entendez? Il ne comprend pas. Jim, Dieu merci. Vous l'avez? Si je vais? Doc, je sais même pas ce qu'on doit chercher. Bien. Suivez le tracteur jusqu'au bout. Je ne peux pas en dire. Allez-y, vite. Vous m'entendez? Dépêchez-vous. Shit! Remets ton casque, mon garçon, tu vas te geler le bout du nez. Tu vas mouchoir, t'as du nez qui coule. Putain, j'adore ça quand ils font. Avec le casque, quand ils font ça là. J'ai vu ça dans plein de vidéos, j'ai trouvé ça cool quoi. Ah bah voilà, regarde. Tu te rappelles? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé par un 360. D'accord, donc il faut que j'aille là-bas, c'est ça? Il te dit de suivre les traces sur le traceur. Ouais, bah. Donc, ça. Bah voilà, c'est ça. Hein. C'est le petit chemin. De toute façon, il ne veut pas courir. Hein, donc, Tu sais quoi, là? Avec tout ce brouillard, je sens la bestiole qui va sortir de nulle part. Ok, Tim. Tu peux le faire. Tout repose sur toi. Mais... T'es soldat, non? Vas-y. Tu parles. Mon arme est même pas chargée. Ah, voilà! Tu lui enverras des boules de neige! D'ailleurs, elle trempe dans la neige, hein, son arme. Elle trempe peu. Ouais, elle trempe. Ah, j'ai compris, elle tremble. Non, elle trempe dans la neige. Ah oui, il fait carrément plus bien. Ah ouais, tu vois, je peux juste donner un coup. T'as ah bah si, ouais, t'as frappé un flocon, t'es fier de toi. Ouais, je voulais voir. Tu sais, je testais. Ah. Bah. Tout d'un coup, là où il y a du... Ça fait bizarre, tu sais. Ah, mais c'est parce que t'es à l'abri des montagnes. Courir, d'accord. Tu sais quoi? Regarde un peu. C'est joli, hein? C'est sympa. C'est joli et surtout, tu sais que ça bouge très très bien, quoi. Oh là là. Hey Doc, je l'ai trouvé. Bien. Est-ce que c'est classe, hein? Non, tout est fermé. Cherchez, il doit y avoir un accès. Et il doit y avoir des munitions. Ah, enfin, des munitions. Putain, ça... Pourquoi il y a des bruits comme ça? C'est pour te faire stresser. Tu sais très bien que j'aime pas ce genre de truc, moi. Ah, mais il faut les ramasser en plus.
Attends, mais il donne un coup de pied et il ramasse pas en mettant le coup de pied, lui. Bah non, c'est interactif, t'appuies sur X. Voilà, j'ai rechargé. Ok. Vu que les munitions doivent être en... Ouais, bah, je vais pas tirer. Sur quoi je tire? Et maintenant? Ah oui. Bah, y'a rien. Bah, j'ai pas le choix, apparemment. Ouais, approche-toi, hein. Ah. En plus, c'est écrit, casser le loquet. Bah oui, je viens de le voir, mais... Donc casse le loquet. Ouais, mais... Oh là là. Oh, comme ça, pas bon, quoi. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Bah tire, t'as 19 balles. Vise la tête. Déjà. Je sais pas. T'entends marquer les bah oui, je le fais. Mais attends, mais il est sans tête. Il continue, le gars sans tête. C'est bon, quoi. Tu comprends pourquoi t'as bien fait de t'apprendre impossible? Oh, mais c'est quoi ce bazar, oh. Vous le voyez? Puis alors moi j'ai joué à aucun Dead Space donc Alors depuis le début du jeu là tu te promènes dans la neige, là t'as fait tout chemin pour arriver jusque là, franchement t'aurais pu le faire à cheval. J'ai dit bravo. Plutôt que de le faire à pied, quoi, franchement. Par contre tu vois là pour l'instant... Ok. Ça tourne. Ça tourne. Ramasse et du butin. C'est tourner ménage. C'est tourner carnage, tu veux dire. Attends, il y a du barouf. Putain, mais les gars... On peut plus explorer un vaisseau en ruine, abandonné, sans être emmerdé par des choses. Comment il a dit, Benoît? Des nécromorphes. Ouais, c'est ça, Benoît a dit des... Attends, mais il va me tuer. Bah oui. Ça y est, il m'a tué. Game over. Mais non, mais... Eh, c'est bon, je suis mort. Putain, mais j'ai appuyé pourtant sur le bouton. Bienvenue dans Dead Space. Dans Dead Space, il y a Dead. Ah bah d'accord, tu recommences, super. Oh là là, quelle merde. Donne des coups de pied, ah, voilà, okay. RB pour ramasser. Non, non, c'est coup de pied, voilà, hop. Attends, parce que là, j'ai pas compris, quoi. Bah si, t'es mort. Bah non, mais... Si, si. Oui, je sais. Allez, de toute façon... Ok. Allez, c'est bon, papy. Donc tu fais attention, il y a un mec qui va surgir de par terre, derrière toi, ou je sais pas où. Non, il est là, il est là, il est là, il est là. Sauf que... Sauf que c'est pas la fête aux munitions, ouais. Quoi. Bah c'est ça, et puis surtout... Ouais, tu vois, ma vie, c'est... Ça doit être ce que j'ai derrière, tu vois, derrière moi, là. Le truc jaune? Ouais, le truc jaune, c'était bleu, c'était chargé à fond. Ah. Et du coup, je cherchais ce que c'était la vie. Mais là, du coup, enfin, j'en chie, quoi. Ah, c'est original, en tout cas, pour représenter et les barbares. Et puis, il y a ce truc, là. Tu vois? Mais pourquoi ça tombe sur moi, quoi? C'est pas possible. Parce que c'est toi et moi qui faisons des inserts, c'est pas Maxence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je trouve ça cool, hein. C'est... Mais moi, j'aime... comme j'aime pas les films d'horreur et tout ça, je jouerai jamais à ce genre de jeu, mais à jouer, par contre, c'est... Enfin, là, c'est agréable, quoi. Maintenant, j'aimerais bien reprendre de la vie. Après, c'est... ça fait un peu empirique, quoi. Je veux dire, t'apprends par l'échec. Tu sais qu'il va y avoir telle ou telle créature à tel endroit, et du coup, quand tu refais la séquence, t'es voilà, le vaisseau est tombé, comme par hasard. Cours, Forest, cours. Et maintenant... Retrouvez oui. Mon kilo et ne vous arrêtez pas. Et maintenant, bah, ah mais RB pour sauter. Ah d'accord. Ok, c'est hyper fixé, c'est pas très simple. C'est pas mal ça comme séquence. Ouais. Oh là là, je me suis raté. Oh là là.
Ah oui, t'as... bientôt mort, en ton machin est rouge, ouais. J'ai vu ça. Ah, c'est bon, ouf, je suis passé. Ouais. Ah là là. Non, je suis pas passé. Ouais, et sauf qu'il est où le méchant qui sort de ce truc-là, quoi. Ah là là, et c'est quand même sympa, hein. Ouais. Tout de suite, t'es mis dans l'ambiance, moi je trouve que... Ah mais d'accord, il faut que je roule. Sur le côté, en plus. Attends, mais j'y vois rien. Alors ? Je l'ai réussi ou faut que je recommence depuis le début ? Non, c'est bon. Ça faisait longtemps que j'étais pas mort dans un insert disque, hein, quand même. En même temps, vu ce qu'on a fait, il n'y avait pas trop grand risque. Non, c'est vrai. Les derniers, en date. Tu devrais pas enlever ton casque, il y a peut-être des gars. Oh là là, c'est... Ouais, il y a un gars, mais bon, c'est... il est un peu pendu. Carrément 200 ans plus tard. Il est où Anakin Skywalker ? Harrison Ford aussi. Allez, allez, décroche. Bon, écoute, au lieu de dire, je dois partir. Il le faut. Alors, prends bien soin de toi. Il est enragé parce que son verre, il est pas vraiment rond. Ou alors il aime pas ses comics. Non. Il les a tous lus déjà. Fais gaffe, il n'a pas assez géante. Il va falloir qu'il dévisse ses réflexes, hein. Foutez-moi la paix. Répondez-moi. C'est lui. Vous êtes qui? Levez-le. Debout. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Ouais, ok. J'aime bien, c'est la première chose que tu trouves, c'est un kit de soins. Ouais, mais attends, c'est un autre, j'ai couleur. Pas le choix, c'est, je suis obligé de l'utiliser, tu vois. Bah pourtant, t'es tout bleu. Bah non, j'étais vert. Parce qu'il m'avait un peu fracassé. Est-ce que je peux faire des trucs là ? Non. Lecture, message 33. Non. 2, sur Terre immobile. C'est joli, hein ? Message à la bourse des occupants de l'appartement 16. On peut pas faire popo ? Votre loyer est en retard. Ceci est votre dernière alerte. Je m'en fous, je m'en casse. Je m'en fous que mon loyer soit en retard. Ok, c'est bon. Excusez-moi. Je vais vous aider. Où est Ellie ? Quand est-ce qu'elle a disparu ? Faut que j'aille là-bas. Donc tu vas ailleurs. Ouais, attends. Logique, hein ? Bah oui. Voilà. Eh oui, non, mais faut toujours faire comme ça. Sauf que là, je pense qu'il faut mieux que je me sauve, hein. Il y a un bruit bizarre là dans l'ascenseur. C'est un chien. Ouais. Enfin... Et là. Faut jamais s'acheter à boire. J'aime bien, moi, tu vois, moi je ne connais pas du tout Dead Space, mais j'aime bien le principe de la jauge de vie qui est derrière. Ouais, ouais, ça quand c'est. Tu vois, quand tu affiches. C'est original, ça. Moi j'aime bien tout l'affichage qu'il y a. Comme du coup, t'as l'espace sur l'écran qui est libre. Complètement. Ouais. Voici le sergent Carter. Pour l'immersion, c'est. Dernier c'est contingent terrestre bien. On est le dernier, c'est tout. Il n'y en a plus d'autres. Ouais, et puis dès que t'appuies, t'as le truc qui s'ouvre, là, ça c'est cool, quoi. Les objectifs, essayage, objectifs. Je sais pas s'il faut que je les tue en fait. Et Isaac, allez, montez dans la voiture. T'as gagné la voiture. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait parce que. Par contre, il faut qu'il le dise. Ah non, il se tue tout seul, c'est bien. Ok. Et... Ah bah d'accord. Super, du coup, je suis pas prêt d'aller dans la voiture. Si, la voilà. Mais c'est quoi ce truc bizarre, quoi ? Va dedans, il t'a dit, va dedans. Non, 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 surtout pas, regarde. Comment ça, elle est en feu ? Évitez les grenades. Hey,
Les gens ils veulent qu'on lise, mais t'as pas bougé là, j'arrive pas à lire. Bah oui, mais. Évitez les grenades, ouais, leur feu, l'icône, l'avertissement apparaît. Oh là là. C'est jaune. Bah ouais, je viens de voir, mais sauf que éviter les grenades, regarde, il y a des trucs qui me visent de partout là. Je sais pas où est-ce que je peux me planquer quoi. Allez, contentez-vous de sortir d'ici. Ok. Le petit truc qui remonte là. Bah non, mais. Enfin. J'adore, t'as le temps de rien faire. Regarde. Bon. Mais non, mais attends, tu vas pas me dire que c'est pas débile ce truc là. T'as pas été assez rapide. Ah bah j'ai pas été assez rapide. T'as pas été assez rapide. Vas-y, fais le plus vite. Bah attends. Hop. Buter, hein. T'as quelques munitions, non? Ouais, mais c'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse. Si tu t'en débarrasses, ils vont pas te tirer dans le dos, hein. Bah ouais, j'aurais peut-être dû en fait. J'y ai pas pensé. Mais sauf que là, tu vois, c'est. Là, sur le côté, là, il y a peut-être un truc planqué là derrière toi. Ouais, mais attends, parce que. Il est tout droit, lui. Voilà. Hop. Ah, un petit peu de soin. Voilà. Repars derrière, là. Tu dis, il y avait un petit trou dans le. Ah, mais c'est vrai que t'as raison. J'aurais dû les buter. Pourquoi j'ai essayé de me sauver C'est le stress, ça. Le mec, il dit, Je pensais que c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Ouais, mais le mec en même temps, il dit fufufu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fufufu. Bah oui, puis là finalement. Puis surtout et que. Et puis tu meurs. Non, et puis moi, comme j'ai pas arrêté d'entendre, tu vois, Max qui disait pas cette munition, pas cette munition, faire attention aux munitions. Non, Max il a dit, je veux essayer en mode plus difficile parce que je ne manque jamais de ressources. Ah, d'accord, donc en fait c'est le contraire, il y a beaucoup de munitions. Il y a suffisamment. Ok. On va dire. Ah du coup, c'est normal, maintenant je peux monter à l'ascenseur, c'est plus facile. Ah là, c'est une échelle. Ouais, enfin, à l'échelle, oui. Non, bah, enfin bon, je t'expliquerai la différence entre les deux un jour. C'est bon, je suis dans le stress. Ouais, Ellie vous voit comme un messie. Ellie a disparu et ces types vous suivent. Ouais, t'avais raison, c'est Ellie, c'est pas Lily. Rejoindre Norton. Ah, il a inventé un antivirus. Ou alors c'est un éléphant. Comprendra qui peut. C'est quoi ce truc là? Okay. Ça s'ouvre pas ça. Ouais tu vois, regarde. C'est vrai que depuis tout à l'heure je trouve pas mal de munitions. C'est sympa hein, quand même, hein, mais. Ah une petite sauvegarde auto. Ouais. Donc tu vas mourir bientôt. Mais arrête. Vous connaissez cet homme? Où il est? Je n'en sais rien. Voilà. On n'a peut-être pas les jeunes filles comme ça qu'on connaît pas dans la rue. C'est bon. Non. Ah non. Non, parce que je tirais dans le tuyau, je pense. Mais t'as rien fait le tuyau. Regarde. Non, tu peux pas l'avoir, lui. Bah, pourtant, lui, il peut m'avoir. Si, tu vois, je peux l'avoir, mais sauf qu'il faut... pas assez décalé. Ouais. Non, elle est... On peut pas la fouiller. Elle est claire. Et on peut pas taper. Tiens. Alors, attends, parce que du coup, j'ai gaspillé mes munitions, là. Oh, là, là. Ils sont sympas, ils te filent des balles. Bon, les choper au vol, c'est un peu difficile, mais... Oh, putain, mec, il roule à combien? Mais t'as vu à quelle vie... Je sais pas. Oh, ils roulent à combien, les mecs, quoi? Tout est automatisé. Ils ne vont pas s'arrêter. Ah, j'ai toujours mon module de stase. Je vais ralentir le trafic. Sérieux? Viser et appuyer sur Y. Si tu te loupes, à mon avis, t'es mort. Ouais. Et je tire sur quoi, là? Sur le trafic. Bah, pompe à stase. Ah, tu vois, c'est les trucs, la jauge qui est montée là sur le côté. Ouais, et. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai rien visé, moi, ça a tout cassé tout seul. Ok. Cours, Forest, cours! Oups. C'est bien ces petits trucs bleus là qui t'indiquent les endroits où. Ouais, c'était comme dans Mirror Edge, t'avais aussi la gestion des couleurs qui te permettait de. Oh là là, mais c'est pas possible, mais lâchez-moi quoi!
Là-bas, il doit y avoir des trucs au fond, là. Tu sais par quoi je suis perturbé? C'est la position du flingue. Je suis toujours décalé à droite. Ah, d'accord. À cause de... Je sais pas pourquoi, mais je crois que il me semble que ça pouvait se régler. On verra. Il y a un truc sur le côté... Ouais, puis là aussi, à... regarde, tu vois, il y a des... À droite. Enfin, il me semble qu'il y a un truc sur le côté à droite. J'ai récupéré... Appuyez sur Y quand vous manquez de stase. Recharge de stase, ok. Ah bah là, il y a une caisse. Hop. De soin. C'est quoi le petit truc jaune là? C'est le stade. C'est là, c'est la stade. Oh là là. Allez, vas-y, mets ta stade. Non. Putain. Non. Si. Ah ouais. GG. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je redescends chercher les munitions ou on s'en fout? Bah, fais le plein, hein. Moi je dis. Tu crois que je redescends? Ouais, ouais. On risque de redescendre? Bah tiens. Oh là là, là c'est pas beau, hein. Bah je sais pas, il m'a dit de changer d'arme, on va supposer qu'elle est bien. Sauf que là, moi, tu sais quoi? Regarde, sauvegarder la progression, ah ouais. Tu connais Renault qui meurt. c'est la prochaine bagnole de la marque. Ouais, la Renault tu meurs. La qui meurt. La qui meurt. attends, on va déjà... Ok. C'est une voiture sans ceinture de sécurité, sans frein. Norton, c'est pas qu'une chasse à l'homme. C'est un véritable massacre. Non, vous croyez? Pourquoi s'en prendre au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Danik considère que leurs travaux sur les monolithes sont une hérésie. Alors imaginez ce qu'il pense de vous. Vous êtes au point d'évacuation? J'y serai bientôt. Il reste un espoir. Comme l'a promis le prophète. Attends, est-ce que c'est là? Ça a l'air, hein. Allez, vas-y, prends l'échelle. Alors tu vois, ça c'est un ascenseur. Tout à l'heure c'était une échelle. Alors est-ce qu'il sert à masquer les chargements comme dans Mass Effect? Merde, la tranquillité. Soyez en paix. C'est plutôt sympa quand même, hein. Ça, ouais, ouais, ouais. C'est tout de suite mis dans le bain. Ils ont bien travaillé les ambiances, ah, et les environnements. Et voilà. Encore envie. Oh zut. Amenez-le. On croyait que c'était fini. C'est pas dans les égouts qu'il rencontre le gars de Dishonored, non? Qu'il fasse gaffe au rat. Oh, il est tombé sur un tas de jambes. Oh, c'est dégueulasse. Il y a une potion de soin, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, regarde. Il y a tout ce qu'il faut par terre, mais il y a quand même un tas de jambes. Vas-y, soigne-toi, vas-y, prends la potion, ça t'enlève les balles. Il y a un truc là. Pourquoi ils ont tout de suite des haches, les mecs là? C'était peut-être pas la bonne idée là de flinguer la vitre tout de suite. Moi j'aurais été toi, j'aurais d'abord exploré la zone, ramassé le bordel, et ensuite j'aurais pété la vitre. Ouais, mais ils allaient la casser de toute façon. Ouais, bah là c'est toi qu'ils ont cassé. Oui, je viens de voir, c'est moi. Mais c'est pas grave, je vous chique. Sauf que maintenant essaye ma technique là. Prends le machin. Voilà, je prends du soin. Non, mais à côté. Attends. Ah non, mais regarde, tu vois, ils cassent la vitre. Ouais, bah voilà. Maintenant on est sûr. Peut-être qu'aussi, il faut que j'apprenne à me sauver, hein. Démembrement. Visez les membres des ennemis pour les arrêter. Ah, ouais. C'est peut-être... bien de nous dire ça après, c'est sympa, merci. Ouais, ouais, merci. C'est ça. Ok. C'est le butin solaire. Attends, parce que tu sais quoi? Je me méfie toujours de tous ces trucs-là. J'aime pas cette ambiance un peu. C'est jamais, tu pourrais te faire attirer par une étagère. Y'a personne, tout d'un coup ils sont trois, tu sais. Oh là là.
Vise les jambes, ouais, t'as raison. J'adore. Tu vises les jambes et le corps est continué de poursuivre. C'est excellent. Voilà, ramasse le bouton. Attends, déjà j'essaie de le finir. Voilà. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, quand il te l'explique 3 heures après, voilà, tu vois. Voilà, et la nuit du butin. C'est bien, c'est qu'il te l'explique 3 heures après, quoi. Mais du coup, tu passes ton temps à la tête en bas à viser les jambes. ok, qu'est-ce qu'il y a là? Y'a rien là? Non. Alors, c'est par où? Par là. Encore un ascenseur? Ou une échelle, on sait pas. C'est un ascenseur, c'est une échelle électrique. Alors là, tu confonds avec l'escalator, qui est encore autre chose. C'est le salaud dessus. Trouver un moyen de sortir de la ville. Je viens avec le dor. Escalator, c'est la contraction de échelle et ascenseur. Ça fait escalator. Tu veux un t-shirt? Un petit cadeau pour Noël? En tout cas, c'est bien. Enfin, les environnements sont vraiment variés. On est en ville, on est dans un magasin, tout ça. Ah, mais c'est lui qui m'a parlé. Vas-y, bute Megaman. Bah non. Moi, je t'aime pas, moi, Megaman. En tout cas, au niveau du gameplay, ça a l'air sympa. Hein. Mais par contre, c'est très couloir quand même, voilà, pour l'instant. Ah, c'est un peu la marque de Dead Space. Hein. Ah, il y a un truc là-haut, t'as vu? Il m'a vu ce con? Ouais, il m'a vu. Ils t'ont vu. Vise les membres pour les ralentir ou je sais pas trop quoi. J'essaye de viser les membres. Alors là, je me sauve au moment où il y en a un qui me vient dessus. C'est vraiment une merde en visée. Hein. Moi, ce que j'aime dans ces jeux, c'est que au fur et à mesure qu'ils en créent, au fur et à mesure, les montres, ça ressemble à rien. Attends, j'ai plus de munitions. Pourquoi j'ai plus de munitions? Ah ouais, j'ai plus de munitions avec aucune des armes. Eh ben, au corps à corps. Hein. Pour l'instant, ça va, t'es vert. T'es jaune. Hop, il y a un truc derrière. Là, non, repars derrière. Retourne à gauche. Non, derrière, voilà. Ah, bah, au fond. Et puis sur le côté aussi, là, il y en a encore un là. Ici, là. Ouais. Attends, un chargeur. Là, devant toi. Là? Ah, voilà. Ok. Écoute un peu ton GPS. Ouais, mais attends, parce qu'en fait, du coup, faut aller là-bas. Et là, il y a une porte à ouvrir, donc on va l'ouvrir. Hein. Là. C'est pas de là d'où tu viens? Ah, bah si, apparemment. Si, avec les gamins. C'est ça. Ouais, mais. Donc, justement, à propos du gameplay dont je parlais tout à l'heure, j'ai une question. Si le gameplay, est-ce que je le suis gay? Arrête tes conneries, putain, mais regarde-moi ça, Mouton. C'est pour détendre l'atmosphère. Je sens stressé là, angoissé. Ouais, mais attends, c'est une horreur ces bestioles. Oui, c'est un peu le but du jeu. C'est un jeu. Oh là là, puis je suis heureusement que tu me dis que j'étais bientôt rouge, j'étais bien. C'est un survival action horror. Ah ouais, d'accord, ben moi je survis rien du tout, moi. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusque là. Est-ce que ton métro ou ton train est en retard? Tu peux regarder pas ton métro? Delay. Le train de Damien retardé, est en retard, par contre. Retardé, tous les rouges, retardé. Ouais, bah c'est celui de Damien. Le pauvre, il est tout enneigé. Un peu con le monstre, en fait. Il n'aime pas la grille, il s'acharne dessus. Ouais, mais t'as vu, enfin, tu peux leur tirer dans les membres, mais il en faut un moment pour... Tiens. Non, mais tout me prend. Putain, mais il m'attaque? Non. Ah, par contre, putain. Lui... Franchement, moi j'aurais des mains comme lui là, avec des trucs bizarroïdes au bout, je serais énervé. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut les comprendre un peu quelque part. Bon, ça c'est. Il n'y a rien à récupérer là, apparemment. Bah, pourquoi il ne nous permet pas. Ah si, il y a une porte.
Oui, mais je veux dire, il n'y avait rien à... En cours ? Ah non, 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 non. Je me lance jamais, tu sais. En tout cas, c'est bien au niveau de l'action, c'est intense. Depuis le début du jeu, on n'a pas chômé une seule seconde. Hein. Non. Pas de temps mort, rien. Et surtout, alors, il disait de passer le didacticiel, mais finalement, ça se prend très vite en main. Il n'y a pas forcément de trucs très compliqués. Pas de train. Pas de train. Ok. Je suis arrivé à la gare. Et les hommes de Danik ? J'ai réussi à les semer. Ah oui, bah d'accord. En fait, tu peux le faire partir. Ah mais non, mais en fait, une fois que tu gardes la visée et ça lâche tout seul. Je suis bête. En fait, tu sais, t'as pas besoin de maintenir B. Tu vises, tu fais B, et après, tu vois, tu peux... Ah là, du coup, tu bouges l'autre maintenant, voilà. Ensuite tu la rassembles au machin, t'as l'alimentation et le train s'en va. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Ok. Ah bah oui, c'est la ligne du train, ça. Oui, tiens. Une grosse pile. Et là il part sans toi, il était dans la merde. Quoi ? Monter à l'arrière du train, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok Norton, le train est prêt à passer la porte sud. Vous le verrez, c'est la seule chose qui bouge. Bien sûr, j'approche dès que vous quittez la ville. Soyez prêts, ça s'annonce délicat. Encore rien dit sur Ellie. Est-ce qu'elle est C'est vraiment sympa cette interface qui bouge en même temps que toi. Ouais, puis du coup, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, tu vois, c'est détaché du jeu. Enfin, c'est cet espace de liberté que t'as rien sur l'écran, quoi. Ouais. Et du coup, tu peux tourner autour et c'est cool, quoi. C'est classe. Hein. Voilà, hop, tu vois, c'est tant que t'attends. Ah, oh, bah, d'accord. Ok, super. Et je fais quoi, là ? On t'avance ? On dirait que la cavalerie arrive. Ouais, mais sauf que je vais me faire déglinguer, là. Norton ! Le Dora, c'est quel vaisseau ? Ah bah, s'il y a la cavalerie, on va en trouver des fers à cheval. Donc, il faut que je passe, là ? Je tente ? On va tenter, hein. Non, tente, c'est dans DMC. Faites attention ! Il monte à bord ! Ah merde, mais c'est ça! Allez, baisse-toi! Ah merde. Pourquoi tu vises celui qui est... Parce que... Alors qu'il y en a un en haut qui est facile à avoir, tu t'as chance ou c'était ton bras. Et puis je visais à côté, quoi! Allez, j'ai oublié de recharger! Tu vas encore te faire traiter de noob dans les commentaires. Ah là là, mais c'est horrible! Mais là, là, vraiment, ils pourront, je crois. Ah, attends, hop, bah du fil, c'est pas grave, laisse les munitions. Ah non, il fallait... Phil, ah, tu savais comment il s'appelait, le gars ? La batterie est morte. Hein ? Isaac, Phil, tu savais comment il s'appelait, le gars ? Ouais. Lui, c'est Pierre. C'est quand même assez... assez intense, hein. Je trouve que c'est bien foutu, quoi. Ouais, en tout cas, pour l'immersion, ils ont vraiment réussi leur coup, quoi. Ouais, et puis... Oui, ça fonctionne. C'est joli aussi, hein. La caméra est toujours bien placée. Elle donne bien, du dynamisme à l'action. La tête c'est efficace, hein. Surtout sur des non-nécromorphes là. Allez ! 1, 2, transmission. Ah, d'accord. Ah, je crois qu'il fallait que je me dépêche, non ? Ah, il fallait que je me dépêche de monter. Ah, bien en fait, d'accord. Tu te débarrasses des mecs, et après oui, tu montes dans le... Il fallait que je monte, tu vois, puis moi je voulais à tout prix ramasser les munitions. Ah là là, okay, donc, comme tu dis, c'est un peu ce côté... empirique. Tu apprends par l'échec, un peu. Ok. Comment tu les as expédiés, eux ? Vas-y, monte, quoi. Attends, il va le faire. Allez. Voilà. Mais non, mais j'étais à fond. D'accord. Allez, monte, garçon. Vas-y, antivirus, aide-moi. C'est normal. Oui. Ah, merde. Allez. Te repose pas sur tes lauriers. Il y a de l'action.
Et ben voilà, je crois que c'était plutôt pas mal hein, pour ces premières minutes sur Dead Space 3. Bah, encore une sympa, fois, hein. Un jeu qu'on découvre ensemble et un jeu. Alors, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais au niveau plaisir et sensation, elles sont là. C'est elles encore là. Un titre sur lequel on a envie de revenir. Alors, bon, voilà, ça c'est la suite. On vous passera un petit, on vous laissera découvrir ce qui viendra après. Ouais. Mais c'est vrai que nous, là pour le coup, on est vraiment convaincus. Et c'est pour ça qu'on aime ce principe de ces vidéos Insert Disc, c'est que ça nous permet de découvrir des titres auxquels on n'aurait jamais joué. Voilà, on ne se serait peut-être même pas forcément intéressé plus que ça. Exactement. Et là, c'est franchement sympa. Et nous, on vous laissera découvrir les 19 chapitres à peu près, il a dit Max, c'est ça, ouais. Et puis en attendant, bah, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao, ciao.